Bonjour à tous, c'est NicoGaju13 et aujourd'hui je suis sur Call of Duty World War 2 pour faire avec vous de l'élimination confirmée hardcore et on est sur la map Sainte-Marie-du-Mont. Donc je crois bien que c'est la première fois que je fais de l'élimination confirmée avec vous, donc ça va être une première et j'espère qu'on va se gaver sur cette game. Donc on va directement prendre le couloir gauche et on va essayer d'aller chercher le spawn ennemi en espérant faire quelques kills en chemin et surtout ne pas se faire kill, ce serait cool. Bon, on va prendre directement une ligne. Apparemment il n'y a personne. Personne n'a choisi de passer dans ce couloir là côté ennemi. Du coup on va se rediriger dans l'axe. Et une double! Et une partie commence très très bien déjà avec cette première double. Il n'y a personne. On va traverser dans la maison, voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur et après derrière. Ouais, il n'y a personne. On va aller voir derrière maintenant. Ah, c'était un... Oui, c'était deux alliés. Un de deux est mort. Je suis désolé, mais bon. Quand on est un réflex shooter, c'est comme ça. Hein. On prend pas de risque et on élimine tout ce qui nous passe devant. Élimination confirmée. Allez, maintenant on va essayer d'aller chercher l'autre spawn vu que ça a tourné. Élimination confirmée. On a une meilleure... Allez, la magnifique décale. Pour le moment, on fait un très très bon début de game. On a déjà le drone. Le bombardement aussi. On va l'envoyer vite fait. On va se caler là dans le coin. Oh putain, vous l'avez vu vous aussi? Il est passé juste à côté de moi. J'espère qu'il m'a pas tué. Et ce sera une triple. Donc on est toujours en vie. Il est juste là. Oh là là. Oh, ça c'était joué petit. Mais bon. En même temps, ouais, j'étais pas en train de camper. Je voulais juste envoyer mon bombardement. Et il m'a pas vu. Là, il y en a une autre qui se ramène. Et voilà, encore un kill. Élimination confirmée. Oh là là, c'était triple non-scope les gars. Oh, j'ai eu de la chance. Franchement, ils ont spawné les 3 devant moi. Et je les ai pas épargnés. Oh, les non-scope passent tellement bien avec cette arme. Oh, on est en impitoyable les gars. On va voir un petit peu. On est en 17-1 les gars. Mais quel début de game incroyable qu'on est en train de se faire. Donc j'espère maintenant qu'on va continuer. Parce que généralement quand je meurs après et que je vois mon score, je suis complètement déstabilisé. J'espère que ça va pas arriver. Surtout que là j'étais dans ma lancée, j'arrivais à suivre les spawns. Et maintenant que je suis mort, ouais, j'ai plus le contrôle. Il y a personne. Oh, je l'avais pas vu. À mon avis que juste quand j'ai regardé là-bas, il a dû passer derrière l'obstacle. Et du coup, j'ai pas vu qu'il était là. Ah, mon pote a fait le kill. Eh, je voulais pas kill mon pote, du coup j'ai gâché un bombardement pour rien. Élimination confirmée. Ah là là, ce manque de précision, ça s'est joué à 1 mm. Et ouais, j'aurais pu avoir un kill, mais malheureusement. Ouais, il y avait 1 mm à côté, quoi. Ah, il va arriver. Ah, je le sais qu'il arrive, j'ai pas le droit de rater ça, c'est pas possible. Ok, mon pote a fait le kill. Vol de reconnaissance terminé. Nous allons gagner. Et voilà. Quel mauvais timing. Ah, voilà, comme je vous ai dit, j'étais en série de 17. Et depuis que je suis mort, voilà, je suis complètement déconcentré. Ça va, j'ai ma vengeance. Élimination confirmée. Mais il va falloir que je me remette dedans et que j'arrive à reprendre leur spawn, j'arrive à refaire la traversée. Oh, c'est pas possible. Ah, on va... Ok, il y a quelqu'un qui a tiré juste ici, on va l'attendre. Bon, apparemment, il n'y a personne. Non, il n'y a personne, c'est bon. On peut y aller. Ok, on l'a vu. On va attendre, on va aller chercher la médaille. Voilà, ça c'était un kill facile.
Il a réagi comme un noob, il a fait son kill, il voulait absolument aller chercher sa médaille et du coup il a même pas regardé s'il y avait quelqu'un d'autre. Nous allons gagner. Bombe ennemie larguée. Non, mais j'ai vu ma balle le traverser. C'est pas possible. Ah, c'est dommage que sur Call of, il n'y ait pas l'entre-kill. C'est le premier qui meurt, il meurt, et l'autre, bon voilà, la balle, c'est, tu as l'impression qu'elle disparaît en l'air. Mais ouais, il devrait y avoir l'entre-kill, parce que bon, avec la distance, la balle met un certain temps à parcourir la distance. Voilà, magnifique vengeance, t'es obligé qu'il arrive lui. Du coup, il devrait avoir la possibilité de s'entre-kill, mais sur Call of, si tu meurs en premier, ta balle disparaît en l'air. Et ça, c'est un truc vraiment dégueulasse, parce que normalement, il y avait un entre-kill, mais bon, tant pis. C'est la logique Call of Duty, de toute façon, on sait que... Ouh, j'ai eu chaud. Oh, oh là, j'ai eu vraiment chaud. Parce que mon shoot était imprécis, mais heureusement que lui, autant ou pire que moi dans la précision. Et j'ai quand même réussi à ramasser mon kill avant de mourir. Par contre, il devrait arriver s'il a poursuivi. Voilà. Ouh, ce shoot réflexe, magnifique. Heureusement, il a poursuivi son chemin. Voilà, et derrière, je ramasse 3 kills. Par contre, il y a encore quelqu'un là dans la maison. Nous allons gagner. Allez, ça y est, on s'est bien repris là, on recommence à enchaîner les kills. Là, j'ai vu un largage juste devant. Il va falloir faire attention puisqu'il y a du monde. Il surveille quoi, lui, si on lui vole pas la botte de foin? Ok, ça c'est un allié. Allez, on peut envoyer notre bombardement. Allez, on va voir si on arrive à faire la triple comme tout à l'heure. Non, ça sera qu'une double. Mais bon, c'est pas mal déjà. Oh, pour quelques secondes, le pote, il m'aurait sauvé. Mais non, bah tant pis. Du coup, ça a cassé ma série. Dommage. Parce que là, on était très bien repartis. Ah, une fois que tu comprends le mouvement de la map, enfin, comment ça se joue, c'est très très facile d'enchaîner les ennemis. Mais bon, vous avez vu que depuis que je suis mort, c'est assez compliqué. Oh, la magnifique tête. Oh, ok, c'est un pote qui m'a tué, du coup, le kill ne compte pas. Bah, je préfère être kill par un pote que être kill par un ennemi. Comme ça, je conserve mon ratio. Bon, j'aurais préféré ne pas mourir, parce que je pense que j'étais capable d'aller le chercher, le deuxième. Même si c'était compliqué. Ok, apparemment, il n'y a personne. Personne à l'horizon. Oh, la grenade! Ah, c'est pas possible, j'en suis sûr, c'était une grenade alliée en plus. Parce qu'un ennemi, il ne jetterait pas sa grenade vers son spawn. Hein. Ah, c'est vraiment relou. Bon, voilà, tout le monde... Ah, ok, il y a quelqu'un. Ah, j'ai direct capté qu'il y avait quelqu'un, parce que sur la map, ça a brouillé, et c'est là tout... de la classe résistance, et voilà, une victoire avec du 37-11, les amis, avec 21 confirmations. Franchement, on s'est régalé, on les a tout simplement laminés. On va voir l'action de la partie, mais je pense qu'elle est pour nous, l'action de la partie. Ouais, elle est pour nous, c'était la trip non-scope, et franchement, elle était magnifique, celle-là. Donc là, j'enchaîne les deux. Le troisième, il a essayé de fuir. Je comprends pas pourquoi il est pas venu chercher le contact. Mais tant pis pour lui. Ça a été une magnifique trip qui finit en killcam final. Et du coup, j'espère que vous avez kiffé cette game. En tout cas, moi, je me régale. Vous avez pu le constater, je pense, par vous-même. Et du coup, si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour me faire connaître. Et on se dit merci. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.